I
temps pour moi de trier cette valise. Il n'y a pas que cette valise. Je vais faire le tri. Enlever vraiment les vêtements que je ne porte plus. Et puis ne pas garder les vêtements juste par sentiment. Quoi. Voilà. Juste parce que c'est beau, juste par sentiment. Non. Là, je vais vraiment faire un tri drastique. Parce que ce n'est pas possible d'avoir plusieurs valises de vêtements et de n'en porter que quelques-uns. C'est pas la peine. C'est mieux que ça serve à quelqu'un. Ma mère m'a dit à qui je peux donner. Je m'excuse. Ma mère m'a dit à qui je peux donner les vêtements en question. Donc je vais faire le tri. Ce qui est à jeter, ce qui est abîmé, on les jette. Ce qu'on ne va pas jeter, ben les gars, ça je peux pas. Parce que ça, c'est la robe que j'ai portée. C'est la tenue de mariage de ma soeur, la dot. Donc ça, je peux pas. Là, pendant la saison sèche, je porte quand même un cardigan, mais il est plus trop bon. Ça aussi, un t-shirt. Ça, c'est par sentiment que je le garde, mais bon. Ça, c'est un pull. C'est ma soeur qui me l'avait donné lors de son, qui me l'avait acheté lors de son voyage à Londres. Oh, elle est encore toute jeune. Ça, je ne peux pas le garder. Une veste, je garde. Là, c'est quoi? Je garde. Je garde. Je garde pas. Celle-ci, je la porte. Je la porte encore. Une veste, je garde. Je partage. Je partage. Je partage. Je garde. Je garde. Je garde. Je partage. Je partage. Je garde. Je garde, je garde, je partage, je garde, je partage, je partage, c'était un chiffon, je garde, chiffon, je garde bien sûr, je partage, je garde. Je partage. Donc ça, je partage, ça c'est à jeter et à garder, non, à jeter et chiffon, et puis ça je garde. J'ai pas fini de faire le tri des vêtements, mais bon, j'ai fait une valise, j'ai fait les placards, là où il y a les habits que je porte actuellement, donc j'ai fait le tri. J'ai enlevé quand même beaucoup d'habits, mais j'ai pas terminé les valises parce que là je suis fatiguée, il est 11h34, j'ai du montage à faire, je sais pas si j'aurai la force de faire du montage, parce que comme je te disais ce matin, là, comme je me sens pas trop bien, je me sens un peu fatiguée. J'ai fait la lessive qui n'était pas prévue. La lessive parce qu'elle n'était pas prévue. Si elle était prévue. J'ai nettoyé les douches. C'était pas prévu parce que je suis fatiguée. J'ai rangé la chambre de Rebelle. Ce matin, je ne voulais pas la ranger parce que vraiment, il l'a laissé en désordre. Mais bon, j'ai quand même rangé. J'ai rangé notre chambre. J'ai rangé les draps. Ça, c'est une bonne chose. J'ai rangé le salon qui était aussi. Et le week-end, les lundis, la maison est toujours très désordonnée. Pas la force de passer la serpillière. Au moins la maison est rangée. Là, je prends ma deuxième tasse d'infusion. Je vais quand même manger pour que j'ai des forces. Ça sera 17 pour ce matin. Ce matin, j'ai pas envie de faire grand chose. J'ai pas envie de faire des efforts.
Et je pense que je vais quand même faire la cuisine. J'ai sorti le poulet. S'il se décongèle à temps, je vais faire la cuisine. S'il se décongèle avant 13h, je fais la cuisine avant d'aller récupérer le bébé. Le Nutella, il n'y en a plus. Trop contente. Il n'y en a plus assez. Ouais. Trop contente parce que je me suis rendu compte que je suis quand même accro. Pas quand même, je suis accro au sucre. Suis addict au sucre. Donc, le fait qu'il n'y ait plus de Nutella, ça va bien m'arranger. Écoutez, je vais manger en suivant une vidéo et je vous retrouve certainement après. J'ai toujours mal au niveau des hanches, de la taille, je ne sais pas quoi. Avec la position que j'ai prise aussi en faisant la lessive et en rangeant, ben, je pense que ça m'a pas aidé. Je vous retrouve. Bon, c'est parti pour récupérer Ruben à l'école en passant par le marché.